devenir la reine de mon royaume. L'amour de ma jeunesse. Igwe. Vis longtemps, mon roi. Que tes jours soient prolongés dans ce monde. Merci. Tu as l'air très belle et de très bonne humeur. Quel est le secret? Mon seigneur, les dieux de cette terre se sont enfin souvenus de nous. J'attends un enfant. Waouh! Quelle bonne nouvelle! Loué soient les dieux. Ici. Les dieux de mes ancêtres. Vous avez finalement donné un sourire à nos visages. Bien sûr. Garde! Va et dis à Onohou que j'exige sa présence à l'instant. Et toi, va m'appeler Okani, mon cher frère. Dis-lui que je veux le voir. Ma chère reine, je t'en prie, va et prépare mon favori. Je vais le faire. Oh, bien. Hey, que les dieux soient loués. Agumba. Que les dieux soient loués une fois de plus. Ah, Agumba. Sario Humaga no Giriano. A Jagami Yanoka, Fugami Venagranja and Banuja, but what in Don and Yeno? Iwamu, Iwo Biama, Iwamin and Ranin, Adranium, and yes, who was a cockatram before one, so was early in Emgo, who was so quiet back on what happened, who was a favorite drum one and one, who am I with me there? Iwame. Je suis un homme heureux aujourd'hui. Igwe, je peux sentir la joie en vous. Oui, parce que vous attendez l'héritier au trône. Igwe. Oh, Ono est là. Igwe. Ono. Igwe. Ono. Ça fait beaucoup de jours. Ono, assieds-toi. Sois le bienvenu, Ono. Igwe. Ono, je suis vraiment très heureux parce que les dieux sont très fidèles. N'est-ce pas ça? Oui, c'est ça. Igwe, pouvez-vous juste partager cette expérience avec nous? Pour que nous le sachions aussi. Bien sûr, je vais le faire. Ono, les dieux ont finalement montré leur grâce et accordé une faveur. J'attends maintenant un héritier à mon trône. Quelle autre nouvelle dépasse celle-ci? Igwe, je n'aimerais pas aller dans la conclusion. Si je comprends bien. La reine attend... Exact, c'est cela. J'attends d'avoir un héritier à mon trône. Les dieux m'ont montré leur grâce. Regardez-les.
mes respects. Igwe Agumba, premier de notre cher et beau royaume, sois le bienvenu. Le plus grand arbre de notre cher royaume, je te salue, grand sage. Les ailes qui chassent tous les esprits maléfiques de notre cher et beau royaume. Que vos jours et votre règne soient longs. Bienvenue. Grand sage, c'est très bon de te voir. Mais je crois qu'il y a une raison. Qu'est-ce qui t'emmène dans mon palais? Fais-le-moi savoir. C'est vrai que c'est un jour magnifique dans notre cher royaume et dans votre maison. Merci. L'enfant dans le ventre de la reine est un enfant puissant. Un puissant enfant, mon roi. L'enfant qu'elle porte dans son ventre a les trois étoiles de Umoma. Dites à la reine de ne pas manger le cola interdit. Mais elle... ne questionnez pas les dieux. Agumba. Les dieux sont sages. Les dieux sont sages. Oui, ça c'est vrai. Les dieux sont très sages. C'est vrai. Igwe, est-ce que vous avez bien entendu? Qu'elle possède trois étoiles de Mouma. Exact, j'ai entendu cela. Que nos dieux soient loués. Que nos dieux soient loués. Qui soit loué? Ekuloma, qui soit loué? Loué. Ils montrent leur grâce à quiconque ils désirent le faire. Bien sûr. Igwe. Pas ça. Ah, Igwe. Que les dieux soient loués. Que les dieux soient loués. Igwe, je vais déjà m'en aller. Oui, tu peux, mon frère. Oh non. Igwe. Les dieux de notre terre sont réellement fidèles. Oma, oui, Votre Majesté. Les dieux ne sont-ils pas justes? Les dieux ne sont-ils pas fidèles? Et mon dieu, n'est-il pas extraordinaire? Ma reine, vous êtes une très bonne personne, remplie de compassion. Alors, je ne crois pas que le dieu commet une erreur en vous bénissant. Avec les enfants qui possèdent les trois étoiles de Mumoma. Que le dieu soit loué. Oui, ma reine. Ma très chère belle reine, le saint qui porte l'enfant béni, comment vous allez aujourd'hui? Que les dieux soient loués. Et c'est... Je vous ai apporté une viande bien cuite. J'espère que cela vous plaira. Okani. Ma reine. Merci d'être un homme merveilleux pour moi. Et pour ton frère, le roi. Merci d'être bon envers lui.
Oui, ma reine. Omar. Ma reine, n'allez-vous pas prendre une bouchée? Au moins, pour savoir si je suis toujours le meilleur cuisinier. Ici, dans notre royaume, ma reine. Oma, vas-y, appelle Igwe, fais vite, rapidement. Non. Oui, ma reine. Ça va? Oui, c'est bon, c'est rien du tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux même pas expliquer ce qui s'est passé. Mais je me sens beaucoup mieux. Ok. C'est rien du tout. Okan, s'il te plaît, je suis désolée pour ce qui vient de se passer. Ma reine, il ne faut pas t'inquiéter. Parce que tu sais très bien que ta santé, c'est ma responsabilité. Hein? Donc, Omar, s'il te plaît, amène dans l'intérieur. Va avec la reine, plus vite. D'accord. Allez à l'intérieur. La reine, s'il vous plaît, on y va. Je suis désolée, mon mari. Kafa, comment oses-tu courir derrière mon homme Ouka après la dernière mise en garde que je t'ai faite? C'est moi qui l'ai rencontré en premier, alors il n'y a rien que toi ou une autre personne puisse faire. Oh! Arrête, Olako. Je t'ai vu. Qu'est-ce qui se passe? Qui se passe-t-il? Arrêtez! Nous sommes venus chercher le roi. Vous ne pouvez voir le roi à cet instant. Ceci est vraiment crucial. S'il vous plaît, on doit voir le roi. Quelqu'un a été tué avec les pouvoirs de Mouma. Attendez un instant. Puis-je les faire entrer? Oui, laisse-les. Entrez. Allez doucement, qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Quel est le problème? Igwe, Olako que vous voyez ici a tué une jeune fille juste parce qu'elle se sont disputées au sujet d'un homme. Elle voulait s'échapper et j'ai utilisé mon pouvoir pour la neutraliser. Hein? Ça veut dire quoi tout ça? Aïe, jeune fille. Est-ce vrai ce dont on t'accuse? Votre grandeur. Elle m'a pris mon amour après que j'aie avorté un bébé de lui. Parce qu'il n'est pas encore prêt. Je l'avais prévenu avant d'en arriver là. Ouka que vous voyez est mort. Ouka, le fils de mon frère. Votre majesté, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas sur cette fille démoniaque qui cherche à se trouver un homme. Donnez votre jugement. Comment tu oses m'accuser? Ouka. Abomination. Igwagumba. Grand sage. Sois le bienvenu dans mon palais. Un grand sacrilège vient d'être commis dans notre cher royaume. Et vous devez tenir votre promesse. Igwagumba.
Sinon, vous ne verrez rien d'autre de bien parmi nous. Soyez sage. Agumba, soyez sage. Jeune fille, tu connais bien les règles. Tu ne dois pas utiliser tes pouvoirs pour ôter la vie de ton semblable, peu importe ce qui se passe. Ça, c'est l'une de ces règles. Deuxièmement, l'abomination est un sacrilège. Dans ce royaume, contre la déesse de notre cher royaume. Te voici donc banni de ce royaume. Silence! Garde, Igwe. Emmenez-la loin de cette terre. Debout. Igwe, s'il vous plaît. Et assurez-vous à ce qu'elle traverse la barrière de la forêt de Maud. Allez, avance tout de suite. Igwe, pas ça. Pas ça, Igwe. Igwe. Bianca, tu l'as fait. Je l'aurais pas demandé de s'entretuer. Et qu'en est-il de l'avortement? Naï, je t'en prie, j'ai envie de me reposer. Oh, laisse-moi au moins aller me reposer, pardon. Onka, il faut que tu sois très, très prudent. Bien sûr, tu sais bien que je suis toujours prudent. Hein? Je suis sur le haut niveau. Oui, c'est toi qui es au top. Tu es au top, c'est toi. Nané. Hein?
Parle. Car notre mère écoute. Le roi Agumba du royaume d'Anizoba. M'a banni parce que j'utilisais mes pouvoirs sur l'une de mes servantes. Parce que elle avait tenté de me prendre mon fiancé. Je vous prie, aidez-moi, j'ai besoin de votre aide. Bois dans la coupe de la vie. Bois du sang. Et demeure jeune. Bois. Bienvenue. Je suis Reine Unchere, la plus grande de toutes les sorcières. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue dans la forêt de Omoji. Tu es l'une de nous maintenant. Viens, non? Ah! Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu m'as amenée dehors si vite comme ça? Je suis enceinte. Je pense que tu dois venir voir mes parents. Tu es enceinte? Oui. Et tu veux que je vienne voir ta famille? Bien sûr, tu sais bien que je ne pourrais pas t'épouser avec un bébé dans le ventre. Même mes frères ne pourront pas l'accepter. Sérieux? Oui. Je ne peux pas épouser une femme enceinte, hein? Non. Ce qu'on va faire est que... Tu dois te débarrasser de cette grossesse. Oui, parce que si tu avortes, là maintenant je pourrais venir voir ta famille. Je ne pourrais pas t'épouser tant que tu es enceinte. Ça ne se fait jamais. Mais et si jamais on m'attrapait, je serais bannie à Omoji. Tu n'as même pas à t'inquiéter sur ça. Je suis le grand Onka. D'accord? N'aie pas peur. Juste attends-moi que je parte. Faire quelques remèdes. Je reviens tout de suite. Hein? Vois-tu, hein? Tu dois prendre tout ce qu'il y a là. Hein? Finis-les tout. Et tu vas aller dans un endroit que tu seras sain. Et par là, tu vas en profiter pour le jeter dehors. Une fois ça va sortir, et je viendrai voir ta famille. Ok?
Es-tu sûr que rien de mal m'arrivera si je bois ceci? Rien ne va t'arriver. Tu ne me fais pas confiance? Fais-moi confiance, hein? Rien ne va t'arriver, je te dis. Bois les tout et tu seras bien. Ok. Oui. Il y en a encore, hein? Bois les tout, bois les. Finis les tout. Oui, tu verras, tout va bien aller maintenant, je t'assure. Oui. Comment tu te sens maintenant? Quoi? Mon ventre. Relax, ça fonctionne. Le remède fonctionne. Oh! Ah! Mon ventre! Mon ventre! T'inquiète pas, ça va aller. Oh! Oh! Ça fait mal! Ah! Oh! Ah! Ah! Oh! Qu'est-ce qui se passe, hein? Je suis désolé, ne pleure pas. Ça fait mal! L'armée fonctionne. L'armée te fait le fait, hein? Ah! Ah! Je suis désolé. Igwe. Sur mon chemin en finant cette réunion, je vis un corps mort sur la route. Hein? Quand je me suis rapproché, c'était le corps de la fille de Mba. Hein? Qui était par terre. J'ai bien vérifié. Apparemment, elle avait pris une concoction d'une substance pour faire l'avortement. Hein? Elle a essayé de commettre un avortement. Oui, elle est morte après avoir pris la concoction. Dans ce royaume? Igwe, le corps est toujours là-bas. Je ne mens pas. Hein? Hey! Ah. Comment allons-nous appeler ceci? Garde! Igwe! Et tu es Ogoye? Igwe. Je t'en prie, emmène-les sur le lieu. Si vous arrivez là-bas, jetez ce corps-là dans la forêt maudite. Et quiconque en est responsable une fois qu'on l'aura, sera aussi envoyé dans la forêt. Igwe, ce n'est pas vrai. Hey! Oh no! Oh no! Igwe! Igwe! Salutations! Oh no! Igwe! Oh no, bienvenue! Merci! Dike vient juste de partir pour vivre avec sa grand-mère. Dans le village de Omogene. Odjougo, ma fille, va très bien. Ça, c'est bien. Elle doit être faible et vieille. Dike Ubiofu.
lui sera sûrement d'une aide très utile. Igwe, comment est-ce que ma reine et les bébés vont? Mes oreilles m'enseignent. écoutez, Igwe, on voit quelqu'un chez mon frère Okan pour qu'il nous emmène du vin de palme. Ono. Igwe. Bientôt. Tu as entendu le roi. Bientôt. Très bientôt, crois-moi. Igwe, je suis impatient de vivre ces moments. Je ne peux plus attendre. Elle va bientôt accoucher. Ma reine. Ma reine. C'est une première étape. Mais la vérité est que... Vous vous rapprochez de votre date. Tôt ou tard, vous finirez par avoir votre bébé. Que les dieux soient loués. Ma reine, tout ce dont vous avez besoin maintenant, c'est les repos. Prenez beaucoup de repos. Ma reine, vous devez vous reposer. Je dois partir, ma reine. Que les dieux te protègent. Et c'est... Wonga, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Maintenant, tu dois agir rapidement. Oui. Le jour de l'accouchement de la reine approche. Oui. Je lui ai attendu discuter avec la sage-femme. Alors, tu dois faire tout ce qu'il y a à faire. Oui, et vite. Hein? Avant que les choses deviennent incontrôlables. Ne t'inquiète pas. Calme-toi. Hein? Je sais quoi faire. Je sais quoi faire. Tu dois le faire rapidement. Oui. Je sais que je te fais confiance. Oui. Mais fais-le rapidement. Il faut que j'agisse très vite. Écoute. J'ai déjà beaucoup perdu. Je sais quoi faire. D'accord. Calme-toi. Okay. Tu sais quoi? Viens avec moi. Viens. Thank you.
la grande reine Uchere, la plus grande des sorcières, la reine sans âge, la reine qui se nourrit du sang. L'homme vit à la reine éternelle. L'homme vit à la plus grande de toutes les sorcières. Venez, mes enfants. Venez. Venez, mes enfants. Venez, mes enfants. Venez. Venez. Voyez qui nous avons là. L'impuissant frère de Agumba. Notre rival. N'est-ce pas un jour merveilleux? S'il te plaît, écoute-moi bien. Je viens en paix. Je suis avec vous. Mon frère le roi Agumba, a été une charde sur ma peau. Alors je veux qu'il ne soit plus sur le trône. Mais je ne peux pas le faire tout seul. C'est pourquoi je suis là. Pour chercher de l'aide. Fou! Qu'est-ce qui te fait croire que nous t'apporterons de l'aide plutôt que de te tuer maintenant? Parce que si nous pouvons tuer le roi et sa femme enceinte, si je deviens le roi, vous retournerez toutes au royaume d'Anizoba. Et Nchere sera reconnu. Hmm.
Mais ton frère, le roi, a des étoiles de haut moment. Et ce sera très difficile pour qui que ce soit de l'anéantir. Je vais m'en charger. Je vais m'en charger. J'empoisonnerai sa boisson avec les colas interdits de Momoma. Cela aidera à l'affaiblir. Et vous ferez le reste. Oh! Va-t'en d'ici maintenant. Pas! Le roi Agumba Wanem. Le roi Agumba Wanem. Hey, mon cher frère. Longue vie au roi. Le roi qui brille dans l'obscurité. Momoma. Le roi qui a la faveur de Momoma. Longue vie, mon frère. Merci à toi. Mon frère, j'ai apporté ton vin de palme favori. Ça, c'est bien. Je t'en prie, assieds-toi. Ah, hein. Hey, merci mon roi. Je t'en prie. Hein. Merci beaucoup. Merci mon roi. Et j'arrive à percevoir la saveur. Ezi Bonko. Avec ça, je peux dire que c'est accumulé. Accumulé. Oui, c'est vrai. Ça vient de là. C'est comme je me dis. Ça vient vraiment de là. Sois le bienvenu, mon frère. Okani, ça c'est en passant. Oui. Je suis toujours dérangé. N'est-ce pas le temps pour toi de te marier? Comme tu peux le voir, tu n'es pas en train de rajeunir. Depuis le jour où ta défunte femme est morte sur le lit d'accouchement, tu as refusé de te marier. Et cela m'inquiète vraiment. Mon frère, le roi Agumba, tu n'as pas seulement reçu la faveur d'avoir des étoiles dédiées de Momoma, tu es aussi un voyant. N'ai-je pas raison? C'est pour ça que je suis là, pour t'annoncer que j'ai trouvé une jeune femme. Hein? La bonne, celle que je veux épouser. Est-ce que tu me dis la vérité? Hey, moi là, comment ne puis-je pas être sûr? Hey. Maintenant, tu es en train de parler. Je t'en prie, oui. Ouvre ce vin. Wow, c'est ça. Là, c'est hey, intéressant. Ouvre ce vin, les Igwe. Hey. C'est une genre d'histoire que je vais entendre aujourd'hui. Hey. Ah oui. Hey.
Très bon. Oui, ce vin est très frais. Je l'ai fait spécialement pour toi. Le tireur doit être recommandé. Tu en veux encore un peu, mon frère? Ok. Hein? Enfin, si tu peux être. Et ça mon roi. Oui, le vin est très bon. Hey, hey. Enfin. Hiya. Mais qu'est-ce qui se passe? Allez-y, appelez-les. Les sages-femmes. Non. N'y va pas. N'y va pas. Pourquoi, ma reine? Je ne veux pas que le sage-femme vienne ici. Elles les feront par force. Je vais vraiment être sûre. Tout va bien. Êtes-vous sûre que vous allez bien, ma reine? Oui, je vais bien. C'est très compliqué. Continuez à ranger mes cheveux. Ok, je vous assure, tout va bien. Ok, c'est bon. Et plus ça. Okani. Igwe. Igwe, vous avez l'air fatigué. Je pense que je dois un peu me reposer. Laisse-moi t'aider. Hey. Doucement. Igwe. Oh. Ouais. Okani. Je dois me reposer, je te verrai plus tard. Très bien. Oh, venez l'aider. Igwe. Ah. Non, je Igwe. Pense que je Igwe. Vais bien. Est-ce que tout va bien? Je vais très bien. Igwe, vous êtes sûr que tout va bien? Igwe. Igwe, vous êtes sûr que tout va bien, Igwe? Igwe, je vais bien. Ne vous en faites pas, je vais bien. Ah. Igwe ni ifuni irulu. Okani mokem. Mabaji ya mojo. Bana. D'où viens-tu comme ça? D'où viens-tu comme ça? Mais est-ce qu'il y a un problème? Onka, tu sais, parfois je commence à me demander, est-ce que nous sommes du même camp? Tu es toujours occupé à aller partout avec ce qu'il y a entre tes deux jambes là. Et Onka, je suis là-bas au palais, je me bats pour ce qui est de notre droit. Je sais que tu as tué Noma. Oui, je sais que tu l'as tué. Écoute, laisse-moi te dire ceci. Le roi a décrété un jugement que quiconque a tué Noma, si on le retrouve, il sera jeté dans la forêt maudite. Tu vois ce que je te disais depuis tuant cet homme, hein? Tu ne fais que me répéter, mon frère. Maintenant, il veut m'envoyer dans la forêt maudite. Ah! Onka. Il faut que tu sois en alerte. Ça va se passer ce soir. Écoute, tu m'entends bien. Garde tes oreilles très bien ouvertes. T'inquiète pas. Ikemumu ama webuwe wane.
Les grands guerriers de salutations, grand salutations aux Zonka. Mes salutations, mon père. Comme on dit, lorsque vous remerciez quelqu'un du travail qu'il a effectué, il fera encore mieux. Merci pour le compliment. C'est pourquoi je suis venu pour vous remercier avec ce petit repas. Merci pour le compliment. Merci. Que les dieux te bénissent. Et que Dieu vous bénisse. Sois prudent avec ceci, sinon ça bien va sûr, s'épuiser. Bien sûr, hein. Merci beaucoup. Les amis, qu'est-ce que je rate ici? Il nous a donné un peu de vin pour nous détendre un peu. Oui, c'est oui. Ça. Ne mangez pas sel. Hein. Oh oui, bien sûr. Ah, oui, bien sûr. Oui. Exactement, oui, bien sûr. D'accord, je pense que je dois rentrer. Que le Dieu te bénisse. Vous bénissez aussi. C'est très bon. Rien que l'odeur en dit beaucoup. Je vous jure, c'est vraiment très bon, les gars. Il avait vraiment raison. Oui, c'est très bon. Des palmes, mais très bon. J'en veux encore plus. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh. C'est Nayo Kani qui a remis à Umoka cette boisson afin qu'il me donne. Tu as dit quoi? Nayo Kani nous l'a donné. Il a donné à Umoka la boisson afin qu'il nous la donne. Non, je n'en prends pas. Es-tu sûr? C'est vraiment très bon. Tu peux au moins goûter. Pourquoi leur donnerait-il de la boisson à cet instant même? Tu es sûr que je ne fais pas du tout confiance à cet homme? Mais mon roi lui fait tellement confiance. Mais je ne tomberai pas dans ses pièges. Tu sais que tu n'en fais pas? Tu ne restes pas savourer avec nous? Où est-ce que tu vas? Oublions-le, savourons notre vin. C'est vin tellement délicieux. Je te jure. En tout cas, je ne m'imaginais pas que ça allait être bon comme ça. Je vous jure, c'est tellement très bon. En tout cas, ça, c'est le meilleur. J'en veux encore. Thank you.
Garde. Garde, réveillez-vous. Okan ne vient juste de quitter le palais maintenant. Je dois les traquer. Réveillez-vous, les gardes. Réveillez-vous. Okane, tu es démoniaque. J'en finirai avec toi, Okane. Dans le palais et je ne veux pas que vous fassiez de bruit. Le roi a été tué. Le roi est tué. N'écoute pas. Où sont-ils? Personne n'est ici. Elle est déjà partie. Avance! 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 Avance, je te dis! Avance! Où est la reine? Où moi et où Kouté? Parlez! Parlez! Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Ah. Maintenant, dis-moi, si tu ne veux pas mourir, toi aussi, où est la reine? Dis-moi, où est la reine? Où moi et où Kouté? Dis-moi, où est la reine? Où moi et où Kouté? Elle est dans la maison des accouchements. C'est comme si elle est en train d'accoucher. Elle est en plein travail. Ah bon? C'est très bien de ta part.
Aucune trace. Tu ne laisses aucune trace. Amoumou. Amoumou. Okadi, hein? Elle est en plein travail. Hein? Merci, j'arrive. Viens. Hein? Tu veux dire, elles ne sont pas ici. Qui? Hey. On a tué notre roi. Maintenant, hein? La reine a disparu. Notre reine? Comment cela s'est produit? Attends, parlez-moi. Non, attends. Ma reine... Attends, oui, tu sais quoi? Que rien ne va l'arriver à ma reine. Très bien, rien ne va leur arriver, t'inquiète pas. Que rien ne va l'arriver. Rien ne va leur arriver. Okane, dis-moi, qu'est-ce qui s'est très passé? Très bien, va à l'intérieur. Laisse-moi aller voir Léonou. Laisse-moi aller voir Léonou et lui dire, demain, je passerai te voir demain matin. Je passerai, attends, vas-y. Je ne peux plus. Oui, ma reine. Forcez-vous un peu. Bientôt, va. S'il vous plaît, tu ne vas pas comprendre, mes jambes me font mal. Je ne peux plus marcher. Hey, oh mon Dieu, Ouma, prends ces jambes. Juste appuyez-vous sur moi, ok? Allons-y maintenant. Ouma, allons-y. Désolée, ma reine. Nous devons continuer à chercher. Si vous les trouvez, tuez-les tous. Mais je veux qu'il n'y ait aucune trace. D'accord? Je vais retourner au village. Toi et toi, continue à chercher. Toi, tu seras derrière moi. Mon fils, ne me déçois pas. Mère, je ne vais pas te décevoir. Je suis Coucou. Je ferai comme tu me le souhaites. Je te fais confiance. Partez bien. Allons-y. Thank you.
courage, ma reine. Ça va aller. Arrête. Ma reine, nous ne pouvons pas nous arrêter. Cet endroit n'est pas sûr. Courage, ma reine. Ah, s'il vous plaît, reposons-nous. Ah, je ne peux plus. Et je ne peux plus. Ah. Ah. Je ne peux plus marcher. Je ne peux plus marcher. Ma reine, tenez bon. Arrête! 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 Je vais aller aux toilettes. Toilettes? Hey! Dieudonné. Dieudonné. Aidez-moi. Je crois que le bébé est arrivé. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais même pas comment procéder. Est-ce que tu as une idée? Oui. Ma défunte mère était une sage-femme et je voyais souvent comment est-ce qu'elle faisait accoucher les femmes enceintes. Donc tu dois l'amener là-bas. Viens avec elle. D'accord. Tu dois te mettre juste derrière elle. Et moi je passerai de l'autre côté. J'espère que tu vas bien le faire. Tu dois la tenir comme ça. Désolée. Allez, dis-moi. Écartez vos jambes. Oui. Tout ça. Laissez-moi faire. Comme ça. Oui. Maman, t'es sûre de ce que tu fais? T'inquiète, tu ne vas pas comprendre. Désolée, ma reine. Désolée, ça va aller. Courage. C'était quoi ça? Elle vient de perdre les os. Je ne comprends pas, ça veut dire quoi? Le processus de l'accouchement a commencé. Le bébé sera bientôt là. Pareil, courage. Par là, ce chemin. Arrête de pousser. Poussez. Allez. Vite. Comme ça. Vous êtes presque ma reine. Allez. Forcez. Continuez, ma reine. Ne vous arrêtez pas. Le bébé est là. Oui. Oh. Le bébé est là, ma reine. Ma reine. C'est une fille. Oh. Que les dieux soient loués. Écoutez, passe-moi cet habit. Oh. Vite. Merci. Hey. Les dieux sont sages. Ma reine. Oh. Écoutez, je pense qu'elle perd beaucoup de sang. Ma reine. Oh, ma. Ma reine. Prends le bébé avec toi et Okuke, vous devrez partir. Je ne peux pas vous laisser comme ça, ma reine. Je ne saurais plus marcher. Oh, ma. Écoutez. Nous sommes pour près de la prochaine terre. Va avec le bébé vers la prochaine terre. Fais vite. Je reste ici avec elle. J'avais promis le roi de la protéger jusqu'à maman. D'accord? Fais vite. Allez-y. Allez-y. Le sac. Ma reine. Ma reine. Ma reine, soyez forte. Oh, mon Dieu.
Elle perd trop de sang. T'inquiète pas, je vais prendre soin d'elle. Écoutez, ma reine. Oma, partez. Va et prends soin de l'enfant. Oma. Ma reine. Ma reine. Jamais te cacher. Maintenant, où est l'enfant? Parle! Sinon, tu meurs! Vaut mieux mourir que de trahir mon roi pour me soumettre à des rebelles comme vous. Aucune femme ne survivra dans cette sombre forêt sans nourriture ni eau. Qu'allons-nous dire à Okane et à Mère? Prends les perles de la reine et sa couronne. On leur dira qu'on les a tous tués, incluant l'enfant. Thank you.
Nous devons trouver cette servante. Aucune femme ne survivra dans cette sombre forêt sans eau ni boisson. Partons maintenant. Nous les avons tous tués. Et la reine est morte avec le bébé dans son ventre. Bien. C'était un travail très bien fait. Exactement. Okan, je pense qu'on doit rentrer là-bas et leur dire qu'ils n'ont pas pu sauver la reine et le bébé. Oui, on doit dire à tout le monde qu'ils sont morts, sinon ils vont nous suspecter. Que penses-tu? C'est une très bonne idée. Bien. Ah, vous avez fait un excellent travail. Je suis fier de vous. Une chère avait dit si je prends ce sujet bien. Oui, je ne veux pas crier. Pas du tout. Je ne pourrais pas m'imaginer devenir vieux. Je ne veux pas vieillir. Je veux encore profiter de toutes les jeunes femmes de ce royaume. Non. Non. J'en prendrai. Pour ne plus vieillir. Oka le plus jeune. Tout ça me rend confus et me brise le cœur. C'est insupportable et pénible. Roi Agumba, avec des étoiles de Umoma, parti comme ça. L'ennemi est en œuvre. Les dieux se battront certainement pour eux. Mon unique frère est mort. Et sa femme, qui est enceinte, a disparu. Peut-être. Peut-être qu'elle a aussi été tuée. Oh. Tout le monde a des ennemis. Peuple du royaume d'Anizuba, une grande calamité
est tombé sur notre cher royaume. Tout ce que je vois, c'est le ténèbre. La mort, partout. Les grands sages, merci les dieux d'être là. Qu'est-ce que les dieux ont dit? Qui a tué notre roi? Les dieux sont silencieux. Tout ce que je vois, c'est le ténèbre. Le jugement. Le jugement. Que des morts. Dans le royaume d'Anizuba, la mort. Les dieux de nos ancêtres. Tout ça est vraiment triste. Les dieux de nos terres. Oumba, les dieux de notre terre. Pourquoi? Désolée, mon bébé. Ça va aller. Oumba, les dieux de notre terre, viens nous aider. Viens nous aider, pitié. Pitié, Oumba. Oh mon Dieu. Ça va aller, tu calmes, mon bébé. Tu calmes, ça va aller. Oh mon Dieu. Ça va aller. Ça va aller, mon bébé. Je crois que c'est la famine. Arrête de pleurer, je suis désolée, bébé. Oh, mon malais Dieu de notre terre. Pitié, viens à notre secours. Hein? Viens à notre secours, oh, mon mari. Ne nous laisse pas mourir dans cette forêt. Du calme, bébé. Je dois te trouver un noix de coco, quelque chose à manger. Patience. Oh, je ne vois aucun village et je n'ai aucune idée de là où je me trouve. Oh mon pas, viens nous aider, pitié. N'oublie pas tes propres enfants, oh mon pas. Désolée, bébé. Désolée. Je sais que c'est la famine. Je vais te trouver quelque chose à manger. T'inquiète. Aïe. Oh Mouma, les dieux de notre terre, viens nous aider. Ne nous oublie pas, pitié. N'oublie pas tes enfants. Oh Seigneur, envoie-nous des lettres. Pitié, envoie-nous quelqu'un. Oh Mouma, pitié. Oh Mouma, ne nous oublie pas. Oh Mouma, pourquoi restes-tu silencieux? Oh Mouma, pourquoi oublies-tu tes enfants? Pitié, viens. Viens à notre aide, Mouma. Pitié, viens. Ne nous laisse pas mourir dans cette forêt. Oh. Oh. Okay.
Ça va aller. Je sais que tu as faim. Désolée, ma chérie. Du calme, bébé. Du calme. Jeune femme. Hey, ne nous faites pas du mal, monsieur. Pitié. Non, ne nous tue pas. Pourquoi mentir? Qu'est-ce que vous faites ici? En plus, celle. C'est très dangereux d'être ici avec un bébé. Pitié, vous devez nous aider. Nous venons d'un autre village. Aidez-nous, monsieur. Pitié. C'est d'accord. C'est d'accord. C'est d'accord. J'ai une hutte. Oh. Une petite hutte que tu peux rester aujourd'hui. D'accord. Venez, merci. Venez. Venez. Ah. Ok, par ici, par ici. Doucement. Doucement, doucement. Ok. Oui. Venez avec moi, c'est par ici, par ici. Oui. Venez. Dieu vous bénisse. Oui, c'est... Qui es-tu? Pourquoi tu te sèles dans la brosse? Et d'où viens-tu? Mon nom est Omaleja. Mais les gens m'appellent Oma. Je suis de royaume d'Uzoka. Mon mari a été tué. Et le petit frère de mon mari voulait à tout prix que je devienne sa femme. J'avais refusé cela. Et une nuit, je l'ai entendu causer avec quelques hommes en leur disant qu'ils me fassent la même chose qu'ils avaient fait à mon mari. Oui! Alors cette même nuit, je n'avais pas d'autre choix que celui de prendre ma fille et de m'enfuir très loin. J'ai passé beaucoup de mois dans la forêt. Jusqu'à ce que vous ne me retrouviez. Naï. Non, merci. C'est d'accord, c'est d'accord, c'est d'accord, c'est d'accord. Que le Dieu vous bénisse. C'est d'accord. Hé! Hey! Les gens n'ont pas de cœur. Hé! Hey! T'inquiète pas. Tu peux rester ici avec moi. Hein? Je suis seul, juste comme toi. Tu peux rester ici, merci. Ok? Je t'en prie. Merci beaucoup. C'est d'accord. Vous n'avez aucune idée de combien vous nous avez aidé, ma fille et moi. C'est d'accord. Ah, le bébé est très belle. Oui. Hey. Son nom, c'est Adugo. Adugo. Chai. Ok, allons-y à l'intérieur maintenant. Ouais. Venez, venez. Modou. Oui. Avant que je ne débarque, qui te faisait à manger? Moi-même, bien sûr. Je prépare très bien. Ne te fâche pas, s'il te plaît. Puis-je te poser une question? Bien sûr, tu peux. Qu'est-ce qui était arrivé à tes parents? C'est vraiment une longue histoire. Je t'écoute. Notre village, Munda, interdisait des pouvoirs magiques. Et mon père a épousé son amour dans un royaume très lointain, nommé Anizoba. Le royaume d'Anizoba?
Il semble que tu les connais. Pas vraiment. C'est juste que j'ai entendu beaucoup de gens parler du royaume d'Anisoba. Ah. Ok. Alors, ma mère a des pouvoirs magiques. Et un jour, elle avait utilisé ses pouvoirs pour se défendre lorsqu'un groupe de jeunes. Alors, elle s'était défendue. Elle a été arrêtée, prise pour être exécutée. Mon père les a combattis et a tué l'un d'eux. C'était ainsi que vous avez été exécutés tous les deux, majestement. Ah. Attends. Donc, tu veux dire que si une personne utilise des pouvoirs magiques dans ses royaumes, que ce soit dans le bon ou dans le mal, il sera exécuté? Immédiatement. Ah. Ils ne vont même pas attendre. Je suis désolée pour tes parents. Ce n'est rien. Après tout, je ne suis plus seule. Comment vas-tu et ta fille? Oui. Depuis que notre roi est mort, mon bien-aimé et unique frère, le trône est resté vacant. Et nos ennemis peuvent commencer à envahir notre communauté. Je veux dire que nous devons faire ce qu'il faut afin de prévenir tout cela. Okane, nous devons attendre la direction des dieux. Oh non, on ne va rien attendre. Oui, le même dieu qui sont silencieux. S'il vous plaît, dites quelque chose de raisonnable. Quelle bêtise! Quelle instruction! De quoi parles-tu? Où étaient les dieux? Comment le roi de ce royaume, mon frère, était mort. Que tu attends? Donc, les anciens, je vous prie, restons concentrés. Peuple du royaume d'Anisoba. Loué soit le dieu et du Katai. Salutations, l'œil de Dieu. Salutations. L'œil de Dieu. Est-ce que le dieu t'en parlait? Non. Les dieux sont silencieux. Et nous devons attendre qu'ils nous montrent la direction. Mais pour l'instant, il n'y a aucun roi. Non, c'est pas vrai. Je dis que c'est faux. Hein? Tu mens tout le temps, ton dieu silencieux. Ton dieu silencieux. Oh. Tu veux que ce trône-là reste vide comme ça? Okane, sois conséquent de tes mots. Les dieux sont sages. Sois sage, Okane. Fais attention. Attendons tous afin que les dieux nous montrent leur direction. Okane, sois sage. Pourquoi t'en vas-tu? Il s'en va. Regardez-le, il s'en va. Pourquoi? Oh non, vous êtes là, vous ne dites rien. Vous le regardez partir comme ça, il s'en va. Et vous ne dites rien, il s'en va. Oh non. Nous devons atteindre la directive de Dieu. Oh. Nous ne pouvons faire autrement. Les dieux sont sages. Ike mumu omo obekene, bia zoba anyo.
Makani fene meno boda kaligo, halone meno boda kaligo, omudi no boda kaligo, biazo banyo. Nsini fene meno boda kaligo, halone meno boda kaligo, omudi no boda kaligo, biazo banyo. Ojo. Est-ce que ton père est là? Oui, Naï. Ah. Dis-lui que je veux le voir. Appelle-le, s'il te plaît. Ok. Papa? Oui? Papa et... Naïokan est ici. Ono. Okan, on est grands fils de notre terre. Ono. Ono. Okan. Ono. Ta fille a beaucoup grandi. Cela veut dire qu'il lui faut maintenant un homme. Okan. Ono. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Je sais très bien que tu ne peux pas te promener sans une raison valable. Tu as raison. Et un homme ne poursuit pas un rat quand sa propre maison est en feu. Bien sûr. Ono, je suis venu te voir. Ono, je suis venu te voir parce que tu es ami à mon défunt frère. Et en même temps, le Ono de ce royaume. Et je dois aussi vous rappeler que un trône qui reste vacant est un risque pour une communauté. Tu as vraiment raison. Tu as raison. Mais les dieux doivent vous l'approuver. Sinon, nous ne pouvons pas couronner un autre Igwe. Bah non, oh non. Bah non. Mais qu'est-ce que nous attendons encore de ces dieux? Vous savez tous que c'est moi qui dois être le prochain roi de ce royaume. Il n'y a aucun doute à ça. Mais nous devons le faire d'une autre façon. Je ne peux pas faire les contraires si aisément nous n'avons pas la permission. Oh non. Oh non. Très bien. Okan, pourquoi ce retard? C'est pourquoi je suis là. Dans toute action que nous avons essayé avec lui, il est toujours inflexible. Alors nous devons l'éliminer. Je vais aller lui rendre une visite. Si tu réussis à faire cela, je ferai de toi la reine du royaume de Anizuba. Considère que c'est déjà fait. Je vous prie de m'excuser. Naïe, tu dois m'aider. Aide-moi à voir cette fille. Je veux lui rendre son compte de toutes les humiliations qu'il m'a fait en direct. S'il te plaît. Dis-moi de quoi il s'agit. Ok. Je veux vivre.
Oju, tu n'écoutes pas, c'est pas toi que j'appelle. Es-tu sourde? Owanka, qu'est-ce qu'il y a? Tu me demandes qu'est-ce qu'il y a? J'exige de t'avoir maintenant. Owanka, s'il te plaît, je t'avais déjà dit, je ne suis pas intéressée. Hein? Je ne suis pas intéressée, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Odugo, écoute, aucune femme me rejette ou refuse d'être en relation avec moi parce qu'elles rêvent tous de porter mon bébé. Et toi, tu ne seras pas une exception. Donc, je veux te voir maintenant et ici. Tu penses que je plaisante? Et toi, viens là, viens là. Odugo, tu m'as vraiment cogné? Hein? J'en finirai avec toi sur cette terre. Toi? J'en finirai avec toi. Ou en quoi? De ce que tu viens de me dire là, penses-tu que cette fille acceptera de t'épouser? Non, il n'y a rien de mal à essayer. Je t'en prie, aide-moi. Cette fille ne peut pas m'échapper. Tu sais quoi? Ou en quoi? Notre but et notre préoccupation pour l'instant est ce trône là. Oui, il faut que nous fassions tout ce qu'il faut pour avoir ce trône. Hein? Alors, tu as compris. Allons-y. Je pressens le mal. Montre-toi si tu n'as pas peur de Ejikata. Montre-toi! Toi, femme maléfique, qu'es-tu en train de faire ici? Qu'es-tu en train de faire ici? Ton Agumba n'est pas ici pour te sauver. Tu refuses de couronner mon unique Okani. Okani, tu as dit le tien? Okani ne sera pas le roi du royaume de Nizoba. Cela se fera à moins que je ne sois mort. Oui, nous allons diriger ce royaume, nous deux. À moins que tu sois aveugle, juste comme tes dieux. Je ne serai pas en vie pour voir Okani ou toi diriger ce grand royaume. Jamais! C'est sur mon cadavre que cela arrivera. Ainsi, tu mourras. Toi, feu maléfique! Est-ce que Ejikata n'est pas ici avec moi? C'est très évident qu'il est heureux que le royaume d'Anezoba n'ait
aucun roi comme ça. Je le suspecte. Je suspecte cet homme-là. Il doit y avoir une raison de son absence ici. Masio Caro, allons le voir, vous et moi, pour savoir pourquoi il n'est pas ici. Allô, allô, Aimé. Allô, Aimé. Tout fier quoi? Que se passe-t-il? Les dieux de notre terre. Quel est notre crime? Certainement, le mal est en train de suivre Alizoba, notre royaume. Ça, c'est un sacrilège. Ezemo, mort dans son sanctuaire. Mes yeux ont vu mes oreilles. Mes yeux ont vu mes oreilles. Itché, je t'en prie, allons-en. Pardon. Allons-y. Ah! Mes salutations, mes anciens. Oh non, je te salue. Pourquoi? Quel est ton problème? Hein? Pendant que nous parlons de la situation de cette communauté, et toi, on te trouve nulle part. J'avais des problèmes urgents que je devrais régler. Hein? Des problèmes qui sont plus importants que ceux qui arrivent dans cette communauté. Hein? Hein, Onka? Je ne te condamne pas. Je me suis battu tout seul. Mes yeux ont vu mes oreilles. Quel est le problème? Hey! Allô? Allô? Mes anciens, le pire est arrivé. Masio Koro, s'il te plaît, parle-nous. Nous sommes en train de perdre patience. Edikata est mort. Il est mort avec sa longueur. Dis-nous que ce n'est pas vrai. Ah, je ne peux pas blaguer. Ne nous dis plus cela. Hein? Hey! Notre ennemi est en œuvre. Notre ennemi est en œuvre. Laissez-moi vous dire quelque chose. Plus ce trône-là va rester vacant, plus nous aurons d'ennemis ici dans ces royaumes. Ils penseront que nous sommes dans la faiblesse. Mais je l'avais dit. Je sais, ces dieux sont des aveugles. Ils n'ont pas des yeux pour voir. Oui, et ils ne peuvent pas voir et non parler. Tu peux imaginer. Ah! Quoi? Mais oui, pourquoi vous me regardez comme ça? S'ils avaient la solution, ils nous en auraient déjà donné depuis longtemps. Aïe! Aujourd'hui est un jour que nous attendions tous. Aujourd'hui, c'est un grand jour dans Izoba, notre royaume. L'apparition des nouveaux rois. Okane. Oh non. Où est ta reine dont tu nous as tant parlé? Tu t'es mariée sans nous inviter. Voici la reine.
La magnifique reine. Bienvenue, ma reine. Que les dieux nous épargnent. C'est toi qui as amené les enfants maléfiques dans ces grands villages et tu as été banni. Devenir la reine du royaume d'Anizoba. Jamais. Ça n'arrivera jamais. Allô? Ça n'arrivera jamais. Pas tant que je serai en vie. C'est, tu sais, où j'appartiens. Avant que vous ne puissiez tous vous endormir avec Gumba, pour m'avoir privé de la terre et de mon père, je suis revenu entendre ce qui revient de droit. Oh non, vas-tu me couronner maintenant? Jamais. Je le ferai jamais. Organi. Oh non. Vas-tu me couronner maintenant? Couronne-moi maintenant. À partir d'aujourd'hui, le peuple de Umoji ne sera plus appelé le peuple de Umoji, mais le peuple du royaume de Umuanizoba. Issei. Oh non. Ce terrain qui t'était donné par mon défunt frère, Igwe Agumba, seront divisés en trois parties. Deux iront à Nchere. Ma reine, où son peuple vivra. Et désormais, je serai appelé Igwe Okane, premier du royaume d'Anizoba. Oh non, pourquoi tu ne parles pas? Igwe. Très bien. Igwe. Igwokani, Igwojo. Ma fille. Oui, maman. Tu comptais très vite. Oui. Exactement. Elle grandit très, 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 très vite. Madjé, s'il te plaît, va dans la cuisine. Prépare-nous un plat délicieux pour moi et pour ma fille. Que les dieux te bénissent, papa. Merci, ma fille. Dans ce cas, je m'en vais rapidement dans la cuisine préparer quelque chose de délicieux pour nous tous. Je te fais confiance, okay. Je sais ce que tu vas faire. Je reviens. Merci beaucoup. Ma petite fille, tu vois, pendant que nous grandissions, les enfants de moi, ils venaient tout le temps nous rendre visite et nous les accueillons. Alors toi également. Adougo, ma fille. Oui, maman. Tu es là, ma chérie. As-tu pris? Maman, est-ce que ça va? Oui. Comment as-tu fait ça? Tes pouvoirs commencent à se manifester. Promets-moi que tu ne l'utiliseras jamais dehors. Je te le promets, maman. Ah,
Merci, approche. Alors, je t'appelais parce que j'ai cuisiné ton plat préféré. J'espère que tu vas aimer. Oui, maman. Dans ce cas, entre-moi à la maison. Parle à ma fille. Toi, Adougo, reviens ici. Adougo, où penses-tu aller? Tu veux dire que tu ne nous as pas vus, n'est-ce pas? Je ne sais pas saluer les gens. Et tu sautes? Salut! Je suis désolée, mes salutations. Hein? Regarde-la, reviens ici! Présente tes excuses. Allez, demande-nous pardon. Plus particulièrement à moi, Kwege. Adougo, es-tu sourde? Excuse-toi. Je suis désolée, merci. Petite souris, reviens ici. Où penses-tu aller? Où penses-tu réellement aller? Attends-moi ici. Mais qu'est-ce que tu veux faire, cette petite fille? S'il te plaît, laisse-la partir. Ouais, agenouille-toi. Vite. Attends, je vais te corriger. Je vais te frapper aujourd'hui. Allez, vas-y, demande pardon. Sinon, je te donnerai la leçon que tu n'oublieras jamais de toute ta vie. Maintenant, demande pardon. C'est quel genre d'enfant? Elle toi, est vraiment demande petit. Pardon. Laisse-moi les trouver, oui. Adougo, je t'ai demandé de t'agenouiller pour me demander pardon. Hein? Imaginez ce qui vient de se passer. Cette étrange fille de Oumuodun, elle m'a neutralisée avec son pouvoir. Elle a exercé sa magie sur moi. Dieu merci, je me suis échappée d'elle. Êtes-vous en train de blaguer? Non, je le vis avec mes deux yeux. Elle avait levé ses mains comme ça et elle était en train de les tourner. Et elle faisait comme ça. Fallait voir ce qui était arrivé là-bas. Oui. Le roi d'Anton, oui. Tu sais. Le roi doit entendre ceci. Oui. Allons-y. Oui. Allons-y. Dis-moi, a-t-elle des pouvoirs magiques? Oui, je voulais t'en parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne t'inquiète pas, ils vont venir la chercher. As-tu utilisé tes pouvoirs? Elle m'a provoqué. Hey, où qu'as-tu fait? On n'a pas le temps pour tout ça. On doit croire à ce qu'elle dit. Allons-y, on prend ses mains. Ne t'inquiète pas, je vais les frapper.
Allons-y, allons-y. On fait cette route. Hein? Ils vont venir la chercher. Hein? Allons-y, on n'a pas les clés pour tout ça. Entre notre village, Ounta, et l'autre village. Tu dois partir pour sauver ta vie et celle de ta fille. Je suis désolé. Je suis désolé. Ça va aller. Oh,
Adougo, ma fille. Oui, maman. Te rappelles-tu de toutes les faits que je t'avais appris? Oui, maman. Alors, je vais voir si tu t'en souviens. Voilà dedans et cueille-moi la feuille que je t'avais dit que ça peut guérir les maux de tête. C'est très facile. La feuille, maman. Maman, laisse-moi apprendre un peu plus. D'accord, ma fille. Adougo, ma jolie fille. C'est ça, ma fille. Je ne m'en sors pas. S'il te plaît. Rentre dans ton royaume. Maman, s'il te plaît, arrête. Le royaume d'Anisoba. C'est de là que tu proviens. Ton père. Et le dauphin, roi Agumba, et ta mère. Et nous a dit nommé ton père a été tué par son méchant frère à Okani. Et ta mère, la reine Noa Dinome, t'a donné naissance dans la forêt. Pendant qu'elle s'enfuyait du royaume d'Okani, du fait qu'il voulait ôter ta vie, parce que tu es la vraie étoile d'Unoma. Ta mère avait perdu beaucoup de sang lors de ton accouchement. Elle était très faible. Alors, elle t'avait confié à moi. Elle m'avait demandé de lui promettre de toujours m'occuper de toi. Et jusqu'à ce que tu aies de l'âge, ma fille. Maman, tu veux dire, tu n'es pas ma mère? Non, Adougo, ma chère fille. Je ne suis pas ta vraie mère. Mais je t'aime comme ma propre fille. Promets-moi que tu rentreras ton royaume, l'Anisoba, et récupérer ce qui te revient. Des trois. Promets-moi. Maman. Et que tu te rassureras de faire payer maman, à Okani pour ce qu'il a fait. Maman, s'il te plaît, arrête de parler, ok? Tout ira bien.
Laisse-moi aller. Laisse-moi aller te prendre le médicament. Tu iras mieux. Tu vas t'en sortir. Rien de mal t'arrivera. Ok? Pars, ma fille. Pars. La mansion est un peu forte pour moi. J'arrive. Je t'en prie. Je reviens bientôt. Maman, s'il te plaît, tiens un peu. Nanisoba. Maman, maman, arrête de parler. J'arrive. Vois que tu le verras. Tu iras au royaume. Nani Isoba. Ton royaume. Regarde-moi. Je suis là. Je suis revenue, maman. Je suis là. Je t'ai apporté le médicament. Maman. Maman. Maman, parle-moi. Maman, parle-moi. Maman. Maman. Non. Maman. Maman. Maman, s'il te plaît. Ne me fais pas ça. Maman, tu es celle que j'ai connue. Ne me laisse pas toute seule. Well,
La même femme mystérieuse. Et cette fois, le rêve avait l'air tellement réel. J'aimerais tellement la rencontrer dans la vie réelle. Tu sais, elle est tellement magnifique. Écoute, en tant qu'ami, il faut que je te conseille. Il faut que tu trouves une jeune femme que tu vas épouser, hein? Tu n'es plus un petit enfant. Et tu es le fils unique de ton père. Il faut que tu te maries très très vite. Et tu vas arrêter avec tes histoires là. Elle est très belle, je ne sais pas quoi. Tu me prends pour un malade? Écoute, je pense que tu devrais aller voir un spiritualiste parce que ça peut être une femme spirituelle qui est en train de te déranger comme ça. Ah. Tu sais, ma plus grande erreur en ce moment, c'était me confier à toi, en premier lieu. Au fait, pour dire vrai, je n'aurais jamais dû t'en parler. Je m'en vais d'ici. Ah. Écoute, ma plus grosse erreur était de m'asseoir ici, de parler avec toi. Toi, tu comprends? L'imagination va te tuer, toi là. Hein? Normalement, moi je perds mon temps venant ici, m'asseoir avec toi, pour me parler des choses que tu imagines. Oh, fils Dike, du fait que tu n'es pas prêt pour te marier, attends que fils unique. Tu dois rentrer chez ton père et ta sœur. Tu n'as plus rien à faire ici. Ah, maman, on ne doit pas en arriver là. Hein? Ok, d'accord maman, je te promets. Mais donne-moi un peu de temps, non? Laisse-moi regarder de plus près. Sûrement, je me trouverai une très bonne fille. Hein? Ndiyo jo,
Déposez ces calebasses. Aidez-nous d'abord à remplir le nôtre. Je n'ai pas envie de descendre jusque-là pour puiser de l'eau. Attends que qui? Répondez. Oh! C'est parce qu'on vous a autorisé de rester dans notre royaume? Et vous pensez que vous avez les droits de nous donner des ordres? Faites ce qui vous est demandé où ou quoi? Vous allez utiliser vos pouvoirs sur nous? Vous feriez mieux de retourner dans cette forêt à laquelle vous appartenez. Comment oses-tu? N'importe quoi. Comment oses-tu t'adresser à nous comme des communs des mortels? Maintenant, toi, prends ceci et puisse-nous de l'eau. Ne me tue pas. Si je vais puiser de l'eau pour vous. Vite! Dépêche-toi, remplis ça. Merci. Sors de là maintenant. Va-t'en d'ici, vite. Stupide. Oh non, c'est quoi le problème? Ma seule fille qui m'aide, Igwe. Hey! Ma seule fille qui m'aide. Je suis fini, oh! Igwe. Mazé, nous n'avons pas ce temps. Qu'est-ce qui t'amène ici? Hey! Ma seule fille. Où m'ont déjà tué ma seule fille, oh? Les enfants maléfiques que vous avez amenés dans ce village viennent de me ruiner. Ma seule fille, Igwe. Hey! Ma vie est finie, oh! Ma vie est finie! Oh non! Comment oses-tu les appeler les filles maudites de Umoji? Oh non! Désormais, c'est toi qui iras puiser l'eau pour toutes ces filles, chaque jour, jusqu'à nouvel ordre. Les jours où tu échoues à cela, tu vas rejoindre ta stupide fille, fou. Garde. Qu'il disparaisse de ma vie. Qu'il disparaisse. Et vous savez où l'amener. Allez, debout. Debout! Viens par ici. Lève-toi. Dépêche-toi. Avance. 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 Tu aurais dû me laisser les tuer. Non. Tu commences à faire quoi pour les tuer? Nous avons besoin des gens à diriger.
Nous ne pouvons pas nous diriger nous-mêmes. Ce point est très intéressant. Nous avons besoin de beaucoup d'esclaves au palais. Ça, c'est vraiment dur. Le dieu de notre terre, venez lui en aide. Hey! Hey! Onou! Onou, lève-toi! Onou! Hey! Lève-toi! Onou, lève-toi! Fais un effort de t'élever, lève-toi! Onou! Allez, doucement! Allez, doucement! Ok. Hé, fais attention. Tu vois ce que tu demandes de t'agénuer? Je suis donc allé jusqu'à la rivière pour n'épuiser qu'une moitié des calebasses pour la reine, hein? Ma reine, lorsque je venais, j'étais tombée
et l'eau s'était renversée. Silence! Retourne à la rivière et remplis cette calebasse, vite. Ou sinon tu vas subir la pollution. Marraine, s'il vous plaît. Bouge! Les grands fils de son père. Tu es venu? Oui, papa. Aussitôt que j'ai reçu ton message, tu connais grand-maman. Elle a insisté à ce que je vienne rester avec toi. Ouais. Tu connais un autre une fois qu'elle veut quelque chose. Elle ne changera jamais. Alors, qu'en est-il de tes compétences en chasse? D'ailleurs, Dike, tu ne devais pas être dans ce village. Ce n'est pas vraiment le meilleur endroit pour toi. Hein? Père, ne va pas là-bas. Ne va pas là-bas parce que ton fils demeure le meilleur chasseur dans tout Anizoba. Rien ne peut changer ça. Attends, j'ai failli oublier. Dike, qu'est-ce que tu attends? Hein? Es-tu en train d'attendre que je rejoigne les ancêtres pour que tu amènes une femme? Hein? Papa, pendant que je pensais avoir échappé à ce sujet de la maison de grand-mère, voilà que je suis là à écouter la même chose. Aie pitié de moi, non? Aie pitié de moi. Non, Dike. Je veux des petits-fils. S'il te plaît. S'il te plaît. Hmm? J'ai entendu. Aucun problème. Alors, comment va-t-on, toi? Doucement. Doucement, la douleur devient de plus en plus insupportable. Tu sais, papa, je vais rendre à cette sorcière une visite. Je vais rendre à cette sorcière une visite pour avoir fait ceci à toi et pour avoir pris ma sœur. Je vais leur donner une leçon qu'ils n'oublieront jamais de leur vie. Je vais les dévorer, je vais les découper en morceaux avec mes deux mains. Ne le fais pas, parce que si tu le fais, je serai mort avant que tu arrives. Hein? Ces gens ne sont pas ordinaires. Ils utilisent des pouvoirs magiques, et c'est pas physiquement comme toi. Papa, papa, ce sont des lâches. Ils ne sont que des lâches, sans vergogne. Sérieux, mais quelle honte! Hein? Papa, je n'aime pas ça. Je n'aime pas que quand je m'apprête à faire un tel geste, que tu m'arrêtes comme ça. Je n'aime vraiment pas ça. Je comprends. Ah! Quand est-ce que Mouma nous enverra quelqu'un pour nous libérer de cette emprise? Grande Mouma, lève-toi. Lève-toi et délivre ton peuple. C'est bon, mon fils. Va manger et repose-toi. Tu cuisines toujours, papa? Bien sûr que oui. Tu ne vas jamais changer. D'accord, je suis impatient de goûter à la nourriture. Calibuanio, mi asabanio, y que cuecan cherebusianio.
Il est bon. C'est mon genre. Ne commence pas. Sinon, tu vas me trouver. Ok. Il t'appartient. Salutations. Il m'a ignoré? Non, non, non. Oh, non, non. C'est quoi cette humiliation? J'attendrai son retour. Il pourrait prendre du temps. Ne vois-tu pas qu'il part pour chasser? Ça m'est égal. Je l'attendrai. Hein? Je ne le tuerai pas. Je lui enseignerai une leçon. De cette façon, prochainement, il saura que personne n'ose ignorer ma salutation. Je n'aime pas ça, oh. Je n'aime pas ça. C'est comme je le disais, t'inquiète pas. Ça ne sera qu'un avertissement. Ok. N'ai-je pas assez souffert? Je suis fatiguée. Je vous en supplie, venez aider votre fille. Favoriser des moments au moins. L'esprit de la puissance. Tu as été choisi par les dieux pour libérer ton royaume. Vas-y, n'aie pas peur, puisque je suis avec toi. Come on, my boo, oh boo.
Je te salue, la plus belle. On dirait que vous me connaissez. Non. Que fais-tu ici? Je suis en train de chercher un village appelé Anizoba. Anizoba? Oui, je viens de là. Tu viens de là? Je suis du royaume d'Anizoba. Oh, tu es au bon endroit. Viens. Alors, à cause d'elle, tu as ignoré ma salutation? Es-tu nouveau ici? Et sais-tu donc pas ce que je peux faire? Dois-je vraiment répondre à ta salutation? Suis-je obligé? Après ce que ta mère maléfique a fait à mon père? Viens-tu de traiter ma mère de maléfique? Qui est-elle? Allons-en. Stop! Sinon, je te ferai du mal. Et pourquoi devrais-tu le faire? Juste comme ça? Dégage de notre chemin. Allons-y. Lève-toi. Elle risque de revenir ici et de faire encore mal dans le cas. Lève-toi. Partons d'ici. Lève-toi. Allez, force-toi. On y va. Allons-en. Salutations. Papa, je te présente Adougo, mon ami. Adougo, c'est mon père. Comment vas-tu, jeune fille? Je vais bien, merci, Naï. Je t'en prie, assieds-toi. Papa, tu dois remercier Adougo pour ce qu'elle a fait. Elle m'a sauvé la vie aujourd'hui, des mains de ces petites filles diaboliques de Omoji. Le dieu de notre terre.
Qu'est-ce que tu faisais avec elle? T'es-je pas interdit de rester loin de ces gens? Dike, je ne vais pas pleurer pour toi, juste comme ta sœur. Papa, qu'est-ce qui était arrivé à sa sœur? Elles l'ont tuée. Exact, juste parce qu'elle avait refusé de puiser de l'eau pour elle. Et après, ils ont ordonné à mon père d'aller leur chercher de l'eau là-bas au palais, chaque jour, juste parce qu'il était allé se plaindre. Et lorsque j'ai décidé de mener des actions, papa m'en a empêché. Oh, avant que tu l'oublies, tu avais demandé de l'eau. Laisse-moi t'emmener de la boire, ok? Et c'est comme ça que j'ai perdu ma fille, ma mère et mon respect. Non, c'est vraiment pathétique. Je dois récupérer mon trône et sauver mon peuple. Qu'est-ce qu'elle dit? Quel peuple? Et quel trône? Je l'ignore. Qui es-tu? Je veux dire, qu'es-tu en train de dire? C'est rien. Nai. Hmm? S'il vous plaît. Puis-je rester avec vous pour un moment? Bien sûr. Exact. Tu peux. Merci. Que les dieux vous bénissent. Ok, laisse-moi te faire visiter. Comment oses-tu amener une étrangère dans ma maison? Papa, elle a sauvé ma vie. Je lui dois au moins ça. Écoute-moi bien. Ils vont venir la chercher. Et à ce moment-là, ils vont nous détruire. Dis que je ne suis pas prêt à mourir à cause d'une fille. Papa, personne ne mourra. Personne ne mourra. D'ailleurs, je pense que je viens enfin de me trouver une femme. Souviens-toi de la fille de mes rêves dont je te parle des fois. La même fille dont je te dis que je vois dans mes rêves. Je ne suis pas intéressé à cette femme des rêves. Je ne suis pas intéressé. C'est une femme physique que je veux. C'est la même fille, père. La même fille des rêves? Exact. J'espère seulement qu'elle va m'accepter. Si je lui propose de m'épouser. Mes salutations, papa. Ah ah. Où vas-tu? Je vais puiser de l'eau. Non. Aujourd'hui, c'est Umoji qui doit puiser de l'eau. Il n'y a aucun homme qui part là-bas parce qu'ils ont perdu la mort. Hein? Nous n'avons qu'un jour de la semaine pour puiser de l'eau. S'il te plaît, ma fille, n'y va pas. N'y va pas là-bas. Tu peux juste aller prendre le bain. Papa, il n'y a plus d'eau dans cette maison. Que Dieu m'en épargne, je vais juste poser de l'eau et revenir. C'est de l'injustice. Je te comprends, ma fille.
Mais nous avons des règles ici. Si tu veux vivre et rester en vie ici, tu dois te soumettre aux règles. Parce que ces gens tuent facilement. Papa, personne ne peut me tuer. Ma fille, s'il te plaît. Comme tu ne veux pas m'écouter, laisse-moi partir. Oui, laisse-moi partir. Non, papa. C'est un tabou pour nous d'aller puiser de l'eau. Que les dieux nous en épargnent, ça n'arrivera pas. Et donc, de toutes les filles que Dick a cherchées, il n'y a que celle qui a ce caractère. Si têtu, je l'aurai averti. Je l'aurai averti. C'est bon. Retourne cette eau maintenant. Pourquoi devrais-je le faire? Es-tu nouvelle dans ce village? Personne n'approche cette rivière, excepté nous. Oui, avec elle. Vraiment? Qui a dit ça et qui a donné cet ordre? Le roi et la reine. Et si tu ne veux pas te soumettre à ces ordres, je vais me charger de toi. Je vois. Votre roi et reine sont méchants et sans cœur. Je veux que vous leur délivriez un message. Dites-leur que j'ai dit qu'ils sont des imposteurs et que très tôt ou très tard, je vais les affronter. Comment oses-tu? Maintenant, écoutez-moi. Je vous veux vivante. Raison pour laquelle je vous ai juste donné cette petite leçon. Je veux que vous délivriez mon message à votre roi et à votre reine. Dégagez de cet endroit maintenant. Dégagez! Folle. Mama, we're born one day.
Waouh! C'est la plus belle femme. Comment est-ce que je l'ai jamais vue dans ce village? Hé, hey, toi! Hé, 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 hé! D'habitude, je ne parle pas ceux qui ne sont pas géniales, mais ta beauté, ça t'a amené dans un chemin spécial. Bon, dis-moi, c'est quoi ton nom? Je m'appelle Adugo. Oh mon Dieu! Adugo. D'accord. Laisse-moi te dire. Non, non, n'ose pas t'approcher de moi. Dis-moi tout ce que tu veux me dire de loin. Ok. Personne ne me refuse. Adugo, j'ai besoin de toi maintenant. Comme maintenant, là et ici. Sérieusement? Oui. Écoute. Personne ne me rejette. Personne ne me refuse. Tu sais pourquoi? J'ai ici le 2 étoiles de Moumouma. Et le seul frère du roi. Je dois t'épouser, mais premièrement, tu dois satisfaire ma chose maintenant là. Et alors si je dis non? Tu ne vas pas oser. Pas ça. Ne t'approche pas de moi. Ne me touche plus. C'est exactement ce que je veux faire. Hein? Ah, non, mais... ah, non. Laisse-moi. Onka. Onka, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Elion t'a-t-il attaqué? Non. Une fille étrangère. Une puissance étrange m'a attaqué. Par hasard, elle n'est pas de teint claire. Exactement. C'est la même fille que vous avez attaquée. Cette fille étrangère, qui est-elle? Le garde. Oui, mère. Amenez-moi cette fille ici, maintenant. Ok. Allons-y. Ahonka, désolé. Désolé, Ahonka. Je t'en prie. Lekan, donne-lui un coup de main, s'il te plaît. Hey, Thierry, va aller surveiller. Vas-y, va à l'intérieur. D'accord. Et toi, tu vas avec lui. Et toi, tu prends le ventail. Toi, prends ça. Papa, pourquoi l'as-tu laissé quitter la maison? Je l'ai laissé entre tes mains. Et si quelque chose lui arrive, aurais-je dû la lier? Ne sais-tu pas qu'elle est très têtue comme toi? Hein? Je fais de mon mieux, Dike. Je vais aller la chercher. Si tu bouges d'ici, je vais me suicider. Père, pourquoi es-tu en train de me faire chanter? Pourquoi me fais-tu du chantage? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Dike? Es-tu sûr que tes yeux sont clairs? Oh, tu es là.
Oui. Bon après-midi, papa. J'étais inquiet. Pourquoi? Tu n'as pas à t'inquiéter. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Papa, j'ai eu quelques soucis, mais je m'en suis chargée. Laisse-moi déposer cette eau. As-tu entendu ça? Elle a eu quelques soucis. C'est de quoi je t'entends parler. Laissez-moi aller puiser pour la dernière fois. Non, tu n'iras nulle part. Je suis désolée, parce que je dois aller. Dans ce cas, je vais avec toi. Personne n'ira nulle part. Jeune fille, peux-je te demander? Oui, papa. Es-tu ici dans la seule mission de tuer mon seul fils? Papa, personne ne tuera votre fils. Je vais moi-même le protéger. Tu entends ça? Je me dois de protéger ma femme. Dike. 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 Ah. Papa? Hein? Tu nous as suivis? Oui. Pourquoi? Je ne pouvais pas les supporter. Je n'ai pas confiance à ces garçons. Je n'ai pas du tout confiance en eux. Je devrais venir. Tu devrais me faire confiance. Ne t'inquiète pas, allons-y. Je n'aurais vraiment pas dû te déranger. Dégagez le passage, bande de lâches. Hugo nous a demandé de l'amener au palais. Maintenant, ne qu'est-ce qui se passe? Pas voir qu'elle va pour chercher de l'eau? Ne le voyez-vous pas? Je l'avais dit. C'est la fin du chemin. Je l'avais dit. C'est pas toi qu'on fait, bouge de là. Vous savez quoi? Essayons d'en finir d'homme à homme. Aucune arme. Aucun pouvoir. Ça marche? C'est assez. Je t'en prie. J'ai dit assez. Dites à votre Igwe que je choisirai quand le voir. Et pas autrement. D'accord, madame. On fera comme vous voulez. Garçon, maintenant dégagez. Dépêchez-vous. Allons-y. Allons-y, on ne perd pas le temps. Allons-y. Dike. Papa. Qu'est-ce qui vient de se passer? Hein? Et tu continues à partir? Bien sûr. Regarde ce qui vient de se passer. Papa, nous sommes sauvés. Ne vous inquiétez pas. Dike. Ada. Tu es un enfant. Merci. Arrête de les louer. Ne les pousse pas à la mort. Allons-y.
Mado aku kopano. Ase mabogeni putelunka. Abogeni neme. Iya koko. Ochichukike. Obarobara. Obarobara. Igwe. Où est-elle? Elle a dit qu'elle choisira quand venir et pas votre nom, votre majesté. Quoi? Elle a refusé de répondre à mon appel. Et vous, idiot! Vous n'avez pas pu l'amener ici de force. Comment osez-vous venir me délivrer ces messages stupides? Je suis désolé, votre majesté. Ikoko, mon fils, que s'est-il passé? Elle a dit qu'elle choisira elle-même quand venir vous voir. Mère, elle est puissante. Silence! Elle n'est rien. Je vais la tuer et me nourrir de son sang. Je suis une chérie. La plus grande de toutes les sorcières. Personne ne me défie. Pourquoi est-il rouge? Ça ne lui ressemble pas. C'est ça le violet. Tu le connais? Il a violé presque toutes les jeunes filles de ce royaume. Oui. Je lui avais donné une très bonne leçon de sa vie. Il n'osera plus le faire de sa vie. Bonjour. Non, il nous a salués. Est-ce que Omoka vient de nous saluer? Je t'en prie, dis-moi. Que lui as-tu fait? Juste une petite leçon. Une petite leçon? Bien sûr. Non, parle-moi une petite leçon. Je suis intéressé par cette leçon. Il y a quelque chose que j'aimerais te dire. Mais promets-moi que tu ne vas pas te fâcher, parce que il se peut que tu me trouves stupide. Tu es mon ami. Je ne le serai pas. D'ailleurs, tu n'es pas stupide. Ok. Tu sais, je t'ai connu bien avant. Bien avant que je ne te voie la première fois. Je te voyais dans mes rêves. Et nous communiquions d'ailleurs dans mes rêves. Tu as eu à me dire que tu avais une mission
Mais à chaque fois que je te demande à quoi consiste exactement cette mission, tu ne me réponds jamais. Intéressant. Ada, je t'en prie. Je veux faire partie de ta mission. Je veux au moins faire partie de ça parce que je ne veux pas que tu restes loin de mes yeux. Écoute, je... Tu es quoi? Combien mois tu seras pas fâché? Je ne le serai pas. Je ne serai pas fâché, dis-le-moi. Je t'aime. Je suis perdument amoureux de toi. Honnêtement. Papa? Hein? Où allez-vous avec ce pont? Ne me dites pas que vous continuez d'épuiser des pensées méchantes. Ma fille, c'est pour la sauver de nos vies. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que papa continue d'épuiser de l'eau pour ces gens. Papa, s'il vous plaît, donnez-le-moi. Papa, vous ne pouvez pas être un objet pour le servir. Je sais, ma fille. Mais ces gens vont venir te chercher. Et mon fils, hein, ils vont tous vous tuer. Hein? Je ne saurais pas les arrêter pour qu'ils nous laissent tranquilles. Hein? Papa, vous ne savez pas qui je suis. Et qui es-tu? Je suis la fille de mon mama. Celle qui porte les trois étoiles. Et trois étoiles de mon mama? Oui, papa. Je m'appelle Adoube. La princesse du royaume d'Anizoba. La seule fille du défunt roi Agumba. Je suis venue libérer mon peuple de l'ombre du ténèbre. S'il te plaît, ne dis pas ça dans ta maison. Agumba, mon ami. Les dieux sont sages. Hein? L'État est venu pour nous apporter la lumière dans le royaume d'Anizoba. Ou suis-je en train de rêver? Dieu, est-ce que c'est vrai? Papa, je suis perdu. Va préparer la nourriture. Salutations, père. Dikogo. Papa. Tu es déjà habillé? Exact. J'ai envie d'aller voir mon piège. Je suis vraiment fier de toi. S'il te plaît, puis-je aller avec toi? Tu veux venir? Oui. Ok. On peut y aller ensemble. Au revoir, papa. Il faut prendre soin d'elle. Je l'ai convoqué ici plusieurs fois. Mais
elle a osé refuser de répondre à l'appel. Elle a oublié que quiconque touche la queue d'un tigre ne peut pas s'en tirer. Une fille étrange. La même fille étrange qui a attaqué mes filles. Réfléchissons un peu. Honneur, vous n'êtes pas allé briser de l'eau pour les palais aujourd'hui. Non. A-t-il oublié que personne ne peut défier le roi dans ses royaumes? Attends-moi ici, ok? Laisse-moi y aller pour vérifier mes pièges. Je veux pas que tu ailles plus loin, sinon tu risques de tomber dedans, ok? Juste une chose. Si tu voyais n'importe qui aux alentours d'ici, fuis! Et je vais ok, je vais occuper cette personne immédiatement. Ok, d'accord. Fais attention. Merci. La fille de Ozoba, celle qui est favorisée par mon mari. Je te salue, mes salutations. Le temps est venu pour toi de libérer ton royaume sous le joug des ténèbres afin de répondre ce qui te revient de droit. Je le ferai. Je le ferai. Je vous ai entendu. Je partirai faire comme vous avez dit. Ada, à qui est-ce que tu parles pour que tu ne reconnaisses pas? Tu n'as pas remarqué ma présence. Préparons-nous à partir. Allez où ça? Il est temps. Temps pourquoi? Ah ah. Ada. Vous êtes rentré plutôt précis. Papa, c'est à Togo. Car elle n'arrête pas de dire des choses que je ne comprends même pas. Mes salutations, Nai. Salutations, ma fille. C'est quoi le problème? L'air est venu pour libérer mon peuple de l'emprise du ténèbre. C'est ce qu'elle a dit. Papa, amène-moi au palais. Thank you.
faites ici? Anou, je te prie. Je veux que tu rentres. Pourquoi? Je veux rester près de toi, peu importe ce que tu fais, Adougo, je t'en prie. Je sais. Je sais que tu m'as promis de rester à mes côtés à tout moment. Je vais faire ça toute seule. Adougo, je t'en prie. S'il te plaît, rentre. Fais ça pour moi. S'il te plaît. Qu'est-ce qui t'amène ici? Okani, je suis venue te voir. Comment oses-tu appeler ton roi par son nom? Tu n'es pas mon roi, mais un tueur. Prononce tes crimes, ou bien je vais personnellement te disgracier. Comment oses-tu? Comment oses-tu? Le garde, saisissez-la. Je ne suis pas celle qui doit être tuée. Tu as tué mon père, ton propre frère. Il est temps pour la justice. Je suis Nchere, la fille de mon maman. Avec les 2 étoiles de mon maman, personne ne me défie. Je suis Adougo, la fille de Agumba. La seule avec une vraie étoile de Mouma. Ici, c'est mon royaume. Confesse, ou je vais te tuer moi-même. Mais tu es supposée être morte. Malheureusement, je suis vivante. Tchere. Nchere, je sais que tu peux la tuer. Oui, si tu peux tuer Edikata, elle n'est donc personne. Alors vas-y, tue-la. Ah!
Toi, va à l'intérieur et libère tout mon peuple qui était prisonnier de cet homme. Désarme-les. Désarme-les tous. Incluant celui-là. Emmenez-les tous. Incluant Onkan. Hors du royaume d'Anizora. Envoyez-le dans la forêt des Umoji, à laquelle ils appartiennent. Maintenant, Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est-il arrivé? Papa! 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 Hey! 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 Qui lui a fait ça? Qui l'a fait? Papa, avec sa femme, pour libérer notre royaume, entre les mains des gens. Thank you.
Adoubou, la fille de Ouma. Comme tu as vu, le palais est vide. Maintenant, tu dois choisir un mari avec qui vous allez diriger ce royaume. Alors, qui est-ce que tu choisis? J'ai choisi Dike. Un bon choix. En tant que princesse du royaume d'Anisoba, la tradition demande que quiconque que tu choisiras comme ton mari, c'est lui qui automatiquement deviendra le roi. Et tu sais bien que ton cher père n'a pas d'héritier pour son trône. Alors, qui choisis-tu? J'ai choisi Dike. Dike? Le fils du défunt Onu. De cette terre. Es-tu sûr? Itché, notre princesse a choisi Dike, le fils de notre défunt Onou. Et voilà. Alors, nous devons le faire savoir. Garde! Onou, va chercher Dike maintenant. Dis-lui qu'il est cherché au palais. Maintenant. Oui, Onou. Dike. Dike. J'arrive. Mes salutations. Uh-huh. Ta présence est voulue au palais. C'est urgent. Dites-tu, je vous salue. Adougou. Dike. Je suis là. Bienvenue. D'après notre tradition, quiconque chère princesse choisit, en tant que son très cher mari, deviendra automatiquement notre roi. Et elle t'a choisi comme notre nouveau roi, d'Anisoba, notre royaume. S'il te plaît, viens t'agenouiller. Merci. Tu sais que tu es plus géant que moi. Bien. Par les pouvoirs qui me sont conférés comme le nouveau Onou de ce royaume,
Je suis ici pour te couronner comme le nouveau roi du royaume d'Anizoba. Et que Oji Afo encore maintenant l'exceptre d'autorité t'est donné en tant que Agumba second du royaume d'Anizoba. Igwe. Igwe. No. No. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe.
Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.